La décision de venir hier pour essayer de pour jouer un petit peu dans la grande salle, puisque voilà, c'est assez important pour les sensations. Voilà, les joueurs de projet sont toujours à la recherche de sensations au niveau de la main, un truc comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée où on essaie de se régler, se mettre un tout petit peu dans le rouge, on va dire. Ce matin, voilà, je me suis vachement axé sur le cardio, sur le physique, sur le jeu de jambes. Avec un petit peu de service en fin de séance, mais voilà, cet après-midi, j'ai décidé de partir un petit peu sur du panier de balles pour finaliser un petit peu les coups, mais renforcer peut-être, enfin confirmer que mes bonnes sensations du moment. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ce soir, ben voilà, je vais essayer de profiter du kiné, coucher assez tôt parce que je vais commencer tôt demain, et puis voilà. Ce sont des moments un peu privilégiés, j'ai envie de dire, parce que c'est des moments où il y a un peu de montée d'adrénaline. Là, aujourd'hui, on est à un jour des championnats de France, donc c'est une journée axée sur la préparation. Donc Simon s'est levé ce matin, on a pris un petit déjeuner vers 8h. Ensuite, on a fait une séance à peu près de 1h30, 2h moins le quart, une séance de jeu, où il s'entraîne avec Romain. Déjeuner, petite sieste, et puis on est revenu à la salle pour faire une heure et demie de panier. Effectivement, c'est l'objectif principal, c'est de pouvoir prendre ses marques dans la salle au mieux possible. Ceci étant dit, les joueurs sont quand même habitués à changer d'environnement. Donc je pense qu'il sera prêt demain matin. Ah, très bien ça. Voilà. C'est bien. La raquette devant, là, tac. Je pense que n'importe quel joueur dans le top niveau français aujourd'hui a envie de gagner cette compétition. J'ai déjà gagné une fois, mais cette année, oui, c'est quelque chose d'important. Ça fait 4 ans que je n'ai pas gagné les championnats de France. Mais voilà, il y a une très très forte densité de joueurs et aujourd'hui en France. Beaucoup de jeunes joueurs. Je pense qu'on a une génération dorée, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, il y a beaucoup de très bons joueurs. On voit dans les championnats nationaux au Japon, par exemple, à part Mizutani, tous les autres perdent au premier tour. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile de gagner dans son pays. Je crois que ce qui est important pour Simon, maintenant il a 22 ans, il vole de ses propres ailes. Donc moi, mon travail, c'est de créer un environnement propice à la performance. Et dans ça, il y a une certaine part de liberté. Il a besoin de pouvoir respirer. Alors parfois, on a besoin de passer du temps ensemble pour échanger. Parfois, il a besoin de voir ses proches, sa famille. Parfois, il a besoin de temps tout seul. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur un collectif. On gère ça vraiment de façon très individuelle et personnalisée. Le maître mot, ça serait de dire sérénité. Tous les joueurs auront le couteau entre les dents. Je sais que voilà, je suis favori, mais je suis loin d'être à l'abri, j'en suis conscient. Donc voilà, je vais être à la recherche de mes sensations, il va falloir que je les trouve assez rapidement, parce que voilà, le tennis de table, ça va vite, même si c'est en 4-7. Et pour se mettre dans le bain, voilà, va falloir être bien physiquement et bien rentrer dans le match. Voilà, j'aurai toujours un peu de pression, peu importe contre qui je jouerai, donc il va falloir être dans les meilleures conditions possibles.